vidéo, donc ce nouveau club de lecture qui va être entièrement dédié au printemps du livre de Montaigu. D'ailleurs, j'ai sorti le programme donc, que j'ai pris en arrivant. C'est toujours très bien fait, un programme donc, qui était établi donc, avec les différents programmes, les différents lieux où il y avait des animations. Donc c'était la 34e édition, donc qui était du 19 au 21 avril donc, de cette année. C'est vrai que j'irai comme d'habitude, c'est un super salon, c'est vrai que c'est le premier salon du livre que j'ai fait. Et en fait je mets un point d'honneur à y retourner en fait chaque année, donc c'était la troisième fois que j'y allais. Et en fait à chaque fois voilà, il y a d'autres choses. Cette année j'ai ajouté en fait des conférences auxquelles j'ai participé, mais je vais vous en parler bien entendu. Je vais peut-être commencer par parler en fait des livres que j'ai fait dédicacer et que j'ai achetés. Je suis très contente de moi. Alors vous allez me dire, voilà, je m'étais fixée en fait 6 livres à acheter et j'en ai acheté 6. Alors j'en ai acheté un petit peu plus parce que voilà, j'avais un cadeau à faire et j'ai deux personnes qui m'ont demandé notamment le prochain roman d'Anne Gailluon, donc qui s'appelle Le Rossignol. Donc en fait j'ai vu Anne Gailluon, voilà, c'est une autrice pétillante, mais je n'ai pas acheté le livre pour moi, je l'ai acheté et, voilà, pour mes amis. D'ailleurs je les ai envoyés, donc voilà, ils sont partis, ils ont pris leur envol. C'était aussi une avant-première, il me semble, sur le salon, donc voilà, donc je pense qu'elles l'auront un petit peu avant sa sortie, donc c'est cool. En plus il y a une dédicace, et c'est vrai que voilà, j'ai pu échanger un petit peu donc, avec Anne-Gaëlle Huon. Moi c'est vrai que j'ai lu Les Demoiselles avec la suite Ce que les étoiles doivent à la nuit. Les Demoiselles, j'avais vraiment adoré, il me semble, je sais plus si c'est mon coup de cœur 2000, je crois que c'est mon coup de cœur 2022. Voilà, j'avais aimé en fait cette plume, j'avais aimé cet environnement, comment on était baigné en fait avec ces femmes, donc au Pays Basque. Et donc voilà, on a échangé. Elle sera également présente à Vannes, donc j'aurai peut-être l'occasion de la revoir et puis bah, peut-être finalement de craquer sur son Rossignol, on va voir. Et voilà, surtout, on a bien discuter, vraiment pétillante, et puis on a même goûté des chips goût côte de bœuf. Bon, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas forcément fameux, mais c'était marrant, elle m'a raconté cette anecdote. Et je suis également allée voir Julien Sandrel, là pareil, c'était cette fois pour un cadeau pour Elodie, et voilà, j'ai attendu un petit peu, il s'est fait un petit peu attendre aussi, et puis j'ai pu donc échanger avec lui donc, pour le nouveau roman qui sort, d'ailleurs tout bientôt. Et puis je lui ai demandé en fait, voilà, je lui ai dit j'ai déjà lu 3 de vos livres, lequel vous me conseillez? Et il m'a conseillé donc Merci, Grazie, Thank You, donc je pense que ce sera le prochain que je prendrai, peut-être sur liseuse à voir, ou sinon s'il est à Vannes peut-être que j'irai le voir et lui prendre celui-ci. Je vais commencer par les livres que j'ai fait dédicacer. Alors, et d'ailleurs c'est la première personne donc, que j'ai fait dédicacer, Romain Puertolas, donc La police des fleurs, des arbres et des forêts, au livre de poche. En fait, ce livre m'a été conseillé par mon père, oui mon père lui aussi, et il m'a dit, tu vas voir, c'est super, c'est un roman épistolaire. Donc j'avoue, je suis allée voir l'auteur sans connaître sa plume. Donc on a parlé de celui-ci, il m'a dit qu'effectivement c'était celui qu'il conseillait en fait pour commencer à le découvrir. Et on a parlé aussi un petit peu de son dernier livre qui concerne l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Il m'a dit, je lui posais la question en fait, pourquoi ce personnage, parce que voilà, avec surtout habitant la région, on a eu effectivement tous les rebondissements, toutes les histoires, etc. Il y a même un téléfilm qui a été fait, etc. Des reportages. Et donc je voulais savoir pourquoi, et voilà, il m'a expliqué effectivement. Donc j'ai hâte de le découvrir parce que c'est vrai que je ne connais pas. Et en plus, roman épistolaire, je pense que ça va se lire assez vite. Donc voilà pour Romain Puertolas. J'ai également revu Claire Favant et je lui ai fait donc dédicacer Serre-moi fort aux éditions Pocket. Elle m'a dit qu'effectivement c'était une bonne continuité par rapport à ce que j'avais déjà lu, même si j'ai pas encore lu la suite du Tueur intime, c'est le Tueur de l'ombre. Faut que je trouve un moment, mais c'est vrai que c'est encore un petit pavé, donc voilà. Donc c'était super, voilà. Chère Audrey, s'il murmure, serre-moi fort, oserez-vous relever le défi? Et elle m'a dit que celui-ci, j'allais prendre quelques claques et encore et encore et encore. Donc voilà, à voir donc, pour Claire Favant, et donc j'ai hâte de lire et puis pouvoir en discuter à la suite avec elle. J'ai également
rencontré Catherine Bardon. Je lui ai fait signer donc l'Américaine qui est toujours aux éditions Pocket. Donc c'est un tome 2. Et en fait, quand je l'ai vu, j'étais en train de lire Les Déracinés. Je les ai terminés il n'y a pas longtemps. Et vraiment, j'ai aimé cette plume, la façon dont elle embarque le lecteur dans l'histoire avec ses personnages. Cette histoire aussi entre Vienne et la République Dominicaine, dont j'avais pas forcément connaissance, mais j'ai bien aimé ça. Je l'ai trouvée assez discrète et elle sera à Vannes. Je viendrai avec le tome 3, parce que j'ai aussi le tome 3 de cette saga historique dans ma palle. Et en fait, je vais lui demander pourquoi la République Dominicaine. Voilà. Peut-être qu'elle a une réponse, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas j'ai hâte de continuer cette saga et puis j'ai hâte de revoir donc l'autrice à Vannes fin mai. J'ai également revu Claire Norton et je lui ai fait dédicacer celui-ci, donc Ces petits riens qui nous animent, toujours aux éditions Pocket. Et je dirais que notre rencontre en fait a été un petit peu particulière. Parce qu'elle m'a posé 2-3 questions sur ce que j'aimais, voilà, elle m'a décrit que dans ses livres, il y avait des livres légers, des livres doux mais avec quelque chose de profond, ou des livres vraiment lourds, on va dire. Et donc je me suis dit, bah moi je serais plutôt sur quelque chose de la douceur mais de la profondeur. Et elle m'a dit, bah, je sais pas pourquoi mais je vous conseille celui-ci. Et elle me montre Le sens de nos pas, qui est un des derniers, je crois, qui est sorti aux éditions Pocket. Et elle me dit, bah oui, parce que c'est une histoire intergénérationnelle. Et je lui ai dit, voilà, je suis très attachée à ma grand-mère. Et elle m'a dit, bah oui, ce livre, il est pour vous. Donc, elle sera à Vannes, donc je pense que je lui prendrai, parce que ça m'a perturbée un peu la façon dont elle m'a dit, j'étais sûre que celui-ci était pour vous. Voilà, donc j'ai hâte de la revoir, donc vivement, enfin, mais là encore. Autre découverte, et là je vous en ai parlé donc lors de la dernière vidéo, que j'avais vraiment hâte de rencontrer cet auteur. Il s'agit donc de Momalo. Je lui ai fait dédicacer donc La Brise Brigade, le tome 2, donc aux éditions Les Escales. Et on a beaucoup parlé justement de lui en tant qu'auteur. Voilà, il a plusieurs pseudos, plusieurs aussi phases. Bah, en tant que Momalo, il a ce Cozy Mystery et il a aussi ses polars avec Kahanak, il a donc sorti l'Inuit que j'ai lu récemment, etc. Et voilà, on a posé plein de questions, pourquoi le Groenland, etc. Et un échange super, franchement je suis ravie, en plus je suis retournée le voir le lendemain parce que tout simplement il m'avait dit j'ai oublié mon petit tampon avec je crois que c'est l'emblème de Saint-Malo. Donc voilà, je suis retournée une deuxième fois. Et vraiment top, voilà, un très bon échange. Et ce que je vous ai dit donc dans le précédent club de lecture, je pense que je vais reprendre la série de Kahanak parce que je pense que je suis vraiment passée à côté. Donc voilà, à revoir. J'ai revu Sophie Jovin, où là j'ai reparlé de sa plume et je lui ai fait dédicacer celui-ci, M'asseoir 5 minutes avec toi, donc aux éditions Charleston. C'est un livre qui m'a vraiment émue pour plein de raisons. Voilà, on parle d'une jeune fille qui et différente, on va dire ça comme ça, mais même si j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, qui a vraiment quelque chose de particulier, une petite étoile. Enfin, vraiment, j'ai trouvé cette histoire vraiment très belle. Je sais qu'il y a des points avec sa fille. Et bien sûr, je lui ai posé la question par rapport à son dernier roman, Viva la Vida. Et elle m'a dit que c'était un des deux romans qu'elle avait adoré écrire et qu'il y avait beaucoup de choses d'elle dans ce roman. Donc, j'ai pas craqué, mais elle sera. Je sais pas encore si elle sera à Vannes, mais voilà, il est possible que j'envisage de reprendre son dernier. Bon, à voir. je suis allée revoir aussi Cynthia Kafka, donc je lui ai fait dédicacer Le Sourire au Livre, toujours aux éditions Charleston. Et ce que j'ai aimé, c'est que la dédicace, donc elle a vu qu'il y avait des petits post-it dans mon livre, elle a regardé en fait chaque citation que j'avais pointée, et a dit en fait qu'elle aimait bien voir comment les gens en fait percevaient son écriture et qu'est-ce que les gens en fait avaient noté. Donc un très très bon échange. Malheureusement, elle ne sera pas à Vannes, donc je la reverrai pas, mais je suppose une prochaine fois. Il me reste un livre dans ma bibliothèque à lire d'elle, et c'est son tout premier, donc j'espère que la prochaine fois que je la verrai, je l'aurai déjà lu, pour pouvoir en prendre un autre et puis continuer à la découvrir. Il m'en resterait 2 du coup à prendre d'elle. Mais voilà, en tout cas un très très bon échange. Voilà, toujours très pétillante, très souriante, donc c'est toujours très agréable d'échanger. Donc voilà pour mes livres donc, que j'ai dédicacés. Maintenant on va passer
au livre que j'ai acheté. Alors, il se trouve que sur les 6 livres, il n'y a qu'un seul poche. Et le poche, en fait, c'est René Manzor, donc à vif, aux éditions Pocket. C'est un auteur que je connaissais pas avant de venir au Salon du Livre. Alors, bon, peut-être que des gens vont me dire « Ouh, c'est pas bien !» Mais justement, on va aussi à des salons pour ça. Et vous savez qu'à chaque salon, j'aime bien découvrir de nouveaux auteurs. J'avais prévu une autrice. Et finalement, lors d'une conférence que je vous parlerai, bien sûr, juste après, il faisait partie donc du trio de cette conférence. Et puis je me suis dit « Ah !» C'est une personne qui m'intrigue, la façon dont il parlait de la construction de ses livres, etc. Je me suis dit, j'ai envie de découvrir plus. Un poche pour commencer, parce que voilà, comme je ne connais pas encore la plume, je voulais voir si effectivement j'adhérais ou pas. Bon, après, il n'y a pas de raison. Et là, il se trouve qu'il est réalisateur. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas si c'est précisé. C'est ça, il est réalisateur et écrivain. Et il nous a expliqué un petit peu son parcours, comme quoi au départ il était vraiment étiqueté réalisateur, les gens ne croyaient pas. Et en fait, il s'est lancé un peu un défi avec sa femme. Parce qu'elle lui. C'est vrai que donc. Il lui racontait beaucoup d'histoires, il lui a dit mais est-ce que tu serais capable un jour d'écrire un livre? Et puis voilà, il s'est lancé le challenge et puis bah, il en est. Il en a plusieurs sur sa table, je ne sais plus exactement combien il en a, et là il y en a plusieurs qui sont cités, mais bon, bref. Voilà, pour le découvrir, il y en a plein. Et donc, il nous a fait le pitch de plusieurs de ses livres. Et celui-ci m'a vraiment piqué au vif, si j'ose dire. Il m'a vraiment intriguée et je me suis dit, ouais, j'ai envie de le découvrir par celui-là. Je ne sais pas si vous voulez que je vous lise à chaque fois les résumés, sachant que moi, j'aime pas lire les quatrièmes de couve. Je veux vraiment avoir la surprise pour rentrer dans le livre, etc. Mais en tout cas, le pitch de l'auteur m'a donné envie de le découvrir. Donc, voilà, j'ai hâte de voir. Et qu'est-ce que... Je ne sais même plus ce qu'il m'a mis en... Pour Audrey, merci de me prêter votre imagination. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et donc il a reçu le prix Iris Noir de Bruxelles. Deuxième donc auteur, mais cette fois autrice, que je voulais découvrir et que j'ai rencontré, donc c'est Shelley Reid, qui a publié donc son premier roman Va où la rivière te porte aux éditions Robert Laffont. C'est son premier roman et qui va déjà être traduit en 34 langues. Même elle, elle y croit pas. Un super échange. J'ai parlé un petit peu anglais avec mon bon accent frenchy, mais c'est pas grave, on a réussi à se comprendre. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que j'ai un tote bag en fait que j'avais acheté à la grande librairie de New York, et en fait dessus il y a une citation, et quand elle l'a vue, elle m'a dit « Ah mais j'ai la même chez moi !» Donc voilà, petit point commun, très très agréable, voilà, une belle découverte, et j'espère que voilà son livre, et j'irai à l'image de son autrice, mais je n'en doute pas, hâte de découvrir, là encore, cette autrice. Donc c'est marqué « Va où la rivière te porte » est un premier roman lumineux et envoûtant. Ce destin de femme est marqué par une histoire d'amour et façonné par une nature qui fascine autant qu'elle submerge. Donc à découvrir, c'est une autrice donc américaine. Je sais plus si je l'ai dit, mais voilà. Petite tradition aussi à Montaigu, et en général c'est le samedi matin, c'est la première personne que je vais voir. Il s'agit de Serena Giuliano, et donc je lui ai pris son dernier qui est Felicita, donc aux éditions Robert Laffont également. Je les ai tous lus. C'est vrai que les premiers je les ai en poche, les deux premiers, puis après je les ai en grand format. Et je passe toujours un beau moment. J'aime voyager en fait aux côtés des personnages de Serena en Italie. C'est toujours un agréable moment. Toujours un agréable moment aussi quand on la rencontre, quand on échange. Voilà, toujours le sourire. Et donc j'ai hâte de partir avec ces nouveaux personnages. Donc Valentina. Voilà, Valentina organise des mariages sur le lac de Côme. Elle adore son métier, d'autant qu'elle peut compter sur une équipe en or. J'irai pas plus loin parce que je veux découvrir. Mais je me tape peut-être que ça va être ma lecture du 1er mai. À voir. Tradition aussi, comme d'habitude, donc je vais voir Laure Manel et je lui prends son dernier nez. Donc j'ai l'impression que plus on avance, plus ils sont gros. Et donc je lui ai pris donc 5 cœurs en sursis aux éditions Michel Laffont. Je remercie beaucoup pour la dédicace. On a passé un très très bon moment l'année dernière quand on est allé à Ouessant. On était un groupe, on était 8. C'était vraiment super. Et voilà, il y a un lien particulier maintenant avec elle, et j'ai hâte de découvrir celui-ci. Je sais qu'il est un petit peu différent des autres, donc voilà, il me tarde de ça. On a également parlé voyage, et voilà, c'est toujours un plaisir de revoir Laure, et puis merci encore pour la dédicace. Et voilà, je continue dans les traditions, vous allez me dire, même les deux derniers, hein, voilà, j'ai donc
revu Clarissa Barre et je lui ai pris donc le tome 1 du Secret des Agapantes, Flora et Joséphine aux éditions Charleston. Je dirais avec Clarisse, je ne pose pas de questions, hein, tout comme Laure Manel. Je prends, pareil, Serena Giuliano. En fait, c'est des autrices pour lesquelles en fait je suis à jour. Donc chaque année, je prends leur dernier. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Là encore, une belle brique. Et donc c'est le premier tome d'une trilogie. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, j'adore la couverture et j'ai hâte là encore de lire. Et je vous ai dit que Felicita, je vais le lire le 1er mai. Le livre de Laure Manel et également celui de Clarisse Savard, je le lirai, je pense, en mai. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu. Là, le dernier livre dont je vais vous parler, j'ai eu la chance en fait de revoir Delphine Géraud et surtout qu'elle m'offre ce dernier livre. Voilà, c'est un livre que j'ai donc en service presse. Donc c'est Là où les souvenirs se révèlent aux éditions Fleurs. C'est son 5e roman et vraiment j'ai été très émue quand elle me l'a remis en main, parce que c'est vrai que d'habitude, voilà, le dernier, le manège qui est juste là, le manège de la vie, je l'avais reçu par courrier, et là le fait qu'elle me l'apporte en, voilà, qu'elle me l'a remis en main propre, j'ai trouvé ça super. J'en ai eu les larmes aux yeux, j'étais très émue parce que j'adore Delphine Géraud, j'ai tout lu depuis le début. Je dirais pour l'instant j'avais un préféré, c'est Doucement renaît le jour, je sais pas si celui-ci va le détrôner, mais en tout cas je me suis dit, oh j'ai le temps, il sort le 2 mai, donc voilà, notez bien la date, il sort le 2 mai, j'ai un peu le temps, puis en fait j'ai fini mon dernier livre, donc Les Déracinés, puis je me suis dit, ah non, j'ai envie de le lire. Donc là en fait je suis en plein dedans, j'attaque le dernier tiers, on va dire, ouais, j'ai dépassé la moitié, j'ai mis là encore des petits post-it avec certaines citations que j'ai déjà mis dans Babelio, et voilà, je passe un très très bon moment, et voilà, j'avais hâte de découvrir ce dernier né, et encore une fois, merci, un immense merci à toi Delphine pour m'avoir offert donc ce livre, et puis voilà, j'adore te découvrir. C'est vrai que j'ai suivi en fait le processus d'écriture de ce livre, et voilà, je vois le résultat, et voilà, je suis pas déçue, et au contraire, j'ai qu'une envie, c'est de retourner à ma lecture, donc voilà, je vais terminer rapidement ma vidéo, et puis je vais finir, j'espère le finir ce soir, on verra. Enfin voilà, je vous en reparle de toute façon bientôt dans un club de lecture pour vous donner mon avis final. Si je peux, je vais le faire comme le mot Malo, je vais vous le donner en fait le jour J. J'aime bien faire ça quand c'est possible, voilà, j'aime bien le faire. Donc voilà pour les livres que j'ai achetés. Donc vous voyez, franchement, un raisonnable, 6. Hein, 6 et j'ai pas... Voilà, 6 livres que j'ai achetés, 4 qui étaient prévus, enfin 5 qui étaient prévus. Le dernier, il n'était pas prévu, mais voilà, je suis restée dans mon enveloppe de 6. Hâte de découvrir encore plein de choses. Comme je vous disais, donc j'ai fait 2 conférences. Une qui se trouvait en fait dans le chapiteau, là où il y a tous les auteurs, etc. Donc c'est vrai qu'au niveau bruit, c'était pas forcément évident. On n'entendait pas très bien. Et donc c'était une conférence de 30 minutes qui se nommait donc Frisson Garanti. Il y avait Franck Tillier, Sonia Delzong et justement René Manzor. C'est là effectivement où je l'ai découvert, où il parlait de son dernier roman qui vient juste de sortir. Et j'ai bien aimé en fait le rapport tous les trois. Donc ils parlaient qu'ils aimaient bien mettre des ambiances, ils aimaient bien mettre leur personnage dans une certaine position. Ils ont parlé aussi de leur premier métier, donc c'était rigolo de voir en fait ce que chacun a fait avant ou voulait faire. Et puis là aujourd'hui, ben voilà, ils sont dans les polars thrillers. J'ai pas encore lu Franck Tillier ni Sonia Delzong, oui je sais, j'ai 3 Franck Tillier, même 4, qui m'attendent dans ma bibliothèque, mais bah voilà, faut qu'il y ait un moment, je me dis, allez, je me fais un Franck Tillier par mois, parce que j'ai envie de le découvrir. Je l'ai rencontré au Quai du Polar il y a 2 ans, et je me dis, c'est pas possible, j'ai plein de copines, notamment Catherine, que d'ailleurs j'ai revu à Montaigu, donc c'était sympa, on s'est juste croisé quelques minutes, mais c'était sympa de la revoir. Elle m'a dit, mais non, mais Franck Tillier, qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as pas encore lu? Donc oui, Catherine, bientôt, bientôt, je te promets, je vais le lire. Donc c'était effectivement 30 minutes sur leur parcours en tant qu'auteur, sur leurs personnages, leurs ambiances, et bien sûr, ils ont parlé de leur dernier, notamment quelque chose qui m'a marqué, notamment chez Franck Tillier et Sonia Delzong, c'est que, j'irais, l'environnement fait
partie, c'est comme un personnage, notamment Sonia, qui expliquait bien que voilà, elle a parlé, elle était à tel endroit et elle a parlé donc de l'orage qui fait partie de pleinement de l'histoire. Donc c'était très très intéressant. Et la deuxième conférence que j'ai faite, donc c'était Cap au Nord, où là on avait Nico Takian, Yann Manouk et Momalo. D'ailleurs, qui avait une très bonne complicité, enfin, c'était marrant, ils blaguaient tous les trois. Qu'on parlait également donc de leur dernier livre. Donc moi, ayant lu l'Inuit, j'ai aimé en fait que l'auteur ben voilà, décrive un petit peu, je dirais, la genèse du livre, etc. Donc voilà, deux conférences. C'est vrai que j'en avais fait aussi à Brive et je trouve que c'est pas mal. Non seulement ça fait aussi une petite pause, et puis c'est un moment privilégié parce qu'on est quoi 40, peut-être 50 personnes qu'avec ces trois auteurs en l'occurrence. Et je trouve que c'est un moment sympa. Voilà, c'est un moment où on apprend aussi sur eux. Et puis, voilà, je trouve que ça enrichit en fait sur plein de choses. Ça fait découvrir, voilà, moi, Yann Manouk, par exemple, je ne l'ai jamais lu. Et j'avais pas trop entendu parler de lui. Donc, c'était justement un moyen de le découvrir aussi. Donc, comme René Manzor, par exemple. Et voilà, en tout cas, ça, je pense que de plus en plus, je vais me faire ça dans les journées, parce que je trouve que voilà, c'est des moments intéressants. Il y en a plein, des animations comme celle-ci. Voilà, on peut pas tout faire entre vouloir dédicacer, vouloir avoir des livres, avoir des échanges. Voilà, il faut faire un petit planning, mais en tout cas c'était top. Deux jours super, enfin un jour et demi parce que j'y étais donc le vendredi après-midi et le samedi. C'était surtout aussi l'occasion, donc comme je vous ai dit, j'ai croisé Catherine, j'ai également revu Cécilia juste rapidement, justement avant d'aller à la conférence avec Momalo, Nico Takian et Yann Manouk. Cécilia, c'est vrai que c'est drôle parce que c'est en fait on se voit rapidement, mais à Montaigu à chaque fois, c'est notre petit rendez-vous, donc c'était sympa. J'ai également fait la connaissance d'Audrey du conte Lire c'est profiter. Et non seulement on a le même prénom, mais en plus on habite pas loin l'une de l'autre, donc je pense qu'on va se voir très prochainement pour échanger, voilà, puis dans un autre moment, voilà, prendre un verre ensemble, ça va être sympa. Mais j'étais ravie franchement de la rencontrer, on a passé des bons moments ensemble, vraiment sympa de se retrouver là, de trouver aussi des points communs, je dirais, au niveau personnel. Et puis sinon, bah, j'ai passé, tout le vendredi donc avec Héloïse du compte Tourbillon des Livres, qui venait de Lyon, qui a passé son week-end à Montaigu. C'était génial de partager ce moment avec elle. C'était son premier printemps du livre, donc c'était une bonne occasion. Et donc j'ai passé aussi mon samedi avec ma copine Justine, donc, qui est venue à la maison. On a passé tout le samedi ensemble. Un coup on allait voir ses auteurs, un coup c'était les miens. Bon, j'avoue, il y avait beaucoup de mon côté, mais vraiment, voilà, un moment super. Voilà, des échanges, et puis voilà, c'est ça que j'aime, des rencontres, des échanges, et puis voilà, j'ai encore les yeux qui pétillent et je me dis vivement Vannes, parce que ça va être mon prochain salon. Il n'y a pas encore les auteurs qui sont annoncés ni la programmation, donc j'attends avec impatience ça pour pouvoir faire justement comme j'avais fait pour Montaigu, qui je vais voir en dédicace, qui je vais voir pour acheter des livres, quelles conférences je vais faire. Voilà, on va se caler, et puis bah, de toute façon je vous raconterai tout ça. Voilà, en tout cas moi je vais vous laisser ici. Si vous avez l'occasion un jour d'aller à Montaigu, surtout n'hésitez pas. Voilà, c'est voilà, très bien organisé, franchement bravo aux bénévoles, c'est toujours très bien fait. Que ce soit à l'intérieur du chapiteau avec les auteurs, si des fois il y a des auteurs, il y a beaucoup de fils, en fait ils les mettent à côté dans la salle des fêtes pour justement pas créer trop de bouchons, parce que c'est vrai que le samedi il y a beaucoup de monde. Même gérer la ville qui est habillée, donc on voit forcément ce fameux logo qui est repris un peu partout, on a les ballons en hauteur, enfin voilà, c'est vraiment voilà, très très bien organisé, c'est super, donc voilà, je peux que vous conseiller d'y aller si vous avez l'occasion. Et puis voilà, il y a autant des auteurs de polar, de lecture contemporaine, je dirais des auteurs aussi on va dire plus régionaux, mais c'est toujours un très bon moment. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y avait quand même une liste d'auteurs qui était franchement voilà, j'irais du tonnerre, parce que voilà, j'irais, il a fallu faire des choix aussi, parce qu'il y a des, malheureusement il y a des auteurs que j'ai pas pu voir, notamment Baptiste Beaulieu et puis Marie Vareille. Voilà, je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé les voir tous les deux, et surtout Marie Vareille parce que je ne l'ai encore jamais rencontrée. Et j'ai lu déjà deux livres d'elle et je me suis dit que j'aimerais bien quand même échanger avec elle avant d'entamer un troisième. Et voilà, je me suis
mal organisée là-dessus. Voilà, j'ai fait un mauvais choix, peut-être au début, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas grave, je sais qu'elle sera à Vannes, donc je pense que je miserai un matin où j'irai la voir directement pour avoir ma dédicace et surtout pour échanger avec elle. Voilà. Donc en tout cas, je remercie bien sûr tous les bénévoles du Printemps du Livre de Montaigu. Moi, rendez-vous pour la 35e édition, donc l'année prochaine. Je ne sais pas encore les dates, ça n'a pas encore été dévoilé, mais bon, en général, c'est fin mars ou avril, donc on saura ça bientôt. Merci à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit les auteurs et surtout mes copines, voilà, Audrey, Héloïse et Justine, merci pour ces bons moments. Merci à Catherine et Cécilia pour notre brève rencontre, mais voilà, toujours très sympathique. Aussi les personnes avec lesquelles j'ai échangé dans les files d'attente. Voilà, c'est vrai que les files d'attente, c'est toujours un moment où on échange, où on parle de l'auteur qu'on attend, etc. Quel livre on a préféré. Et voilà, je sais que notamment il y a Elodie avec son amie qui attendait Julien Sandrel et c'était sympa, voilà, d'échanger avec eux. Donc une belle édition, plein de souvenirs, et puis bah voilà, moi je vous donne rendez-vous donc l'année prochaine, mais avant, on se voit dans un nouveau club de lecture avec de nouveaux avis lecture tout bientôt. Donc comme d'habitude, bah, passez de très bons moments, de très bonnes lectures, et je vous dis à la semaine prochaine.